Kevin Gage, je n'ai plus un cœur à prendre. Dans un entretien accordé à nos confrères de Téléstar, l'ex-candidat emblématique des Marseillais a révélé être de nouveau en couple. Après de multiples séparations et réconciliations, tout semblait aller pour le mieux entre Carla Moreau et Kevin Gage. Après s'être fiancés à New York, les tourtereaux se sont dit oui à Courchevel devant leur famille et leurs proches avant de se séparer définitivement suite aux révélations de Belle Onwell. La jeune femme, qui a participé à la bataille des clans, a eu une relation intime avec Kevin Gage sur le tournage de l'émission. L'humiliation de trop pour Carla, qui a quitté le domicile conjugal. Jamais, je n'aurais imaginé quelques mois après mon mariage devoir prendre cette décision. J'imaginais forcément ma vie avec un tout autre avenir que celui que je m'apprête à vivre, mais je suis confiante, écrivait-elle sur son compte Instagram. Si Carla Moreau est aujourd'hui célibataire, son ex-époux, lui, a déjà succombé au charme d'une dénommée Chloé. Kevin Gage n'est plus un cœur à prendre. Après de nombreuses rumeurs sur sa vie amoureuse, Kevin Gage a confirmé auprès de Téléstar qu'il avait retrouvé l'amour dans les bras d'une jeune femme de 24 ans, qu'il a rencontrée par le biais d'amis en commun. Oui, je suis avec elle et je suis très content, il n'y a aucun problème là-dessus. Maintenant, je le garde pour moi, même si ça sort à droite, a déclaré celui qui figurera dans l'émission C'est la famille sur W9. En ce qui concerne son ex-femme, le jaguar est ferme. C'est fini et je n'en ai strictement plus rien à faire, elle fait sa vie et je fais la mienne. Je suis gentil et je n'affiche personne. En revanche, comme je ne dois rien à personne, je ne me cache pas. Kevin Gage, peu importe ce que je vais faire, ça va être mal perçu. Le candidat de télé-réalité a aussi profité de son entretien avec Téléstar pour répondre à tous ses détracteurs. Il faut savoir que peu importe ce que je vais faire, ça va être mal perçu. Depuis mon divorce, je suis célibataire, donc théoriquement, je fais ce que je veux et ça ne devrait déranger personne. Je reste tranquille dans mon coin et je ne montre rien. Et de conclure, les gens pensent que c'est un pic, mais non, je vis juste ma vie. Article écrit en collaboration avec Cimedia. The